On est avec Bernard Piton. Bernard, vous présentez Audrey Dupoli sur un parcours de vitesse. Vous le préférez sur les parcours de tenue, mais ici, il trouve un engagement propre, même s'il faut affronter les étrangers. Bah, bien sûr, hein, faute d'engagement, il aurait des bonnes courses, ses cordes à droite, mais il tourne pas du tout à droite. Donc, faute d'engagement, je cours cette course-là. Il a fait des beaux trucs en province avec des bons chevaux, hein, qu'on fait guirer dans des quintés et tout. Donc, bah, ça va nous donner, ça va nous le situer un petit peu, cette course-là. Je suis content qu'il court, comme ça on va voir un petit peu de ce qu'il peut faire avec des chevaux comme ça. On peut pas lui reprocher grand-chose au cours de l'année 2019. Il a été on ne peut plus régulier. Bah ouais, l'autre jour à Lyon, j'ai passé le poteau en tirant dessus, j'ai jamais pu m'exprimer. Hein, c'était une course qui n'était pas sélective, j'étais pas dans les bons coups. Le cheval était plein de ressources. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce qu'on peut l'envisager en fin de combinaison, Bernard, malgré le parcours de vitesse? On sait jamais, hein, une cinquième place, on sait que la ligne droite d'Anguin est très longue, avec un bon parcours, il peut s'infiltrer pour prendre une cinquième place. C'est un cheval qui a de la classe. Hein. L'idéal serait qu'il y ait un peu de rythme dans le parcours, qu'il puisse... Oh, il va avoir du rythme, hein, 2100 mètres, il va avoir du rythme. Hein.